Dimanche 16 avril, sur TF1, Audrey Crespo Mara s'est entretenue avec Ahmed Silla pour le portrait de la semaine de 7 à 8. L'occasion pour l'humoriste d'évoquer différents sujets, notamment sa vision du racisme en France. Pour son portrait de la semaine dans 7 à 8 sur TF1, Audrey Crespo Mara a échangé avec Ahmed Silla. L'humoriste de 33 ans s'est confié à cœur ouvert lors de cet entretien. Il a commencé par parler de sa maman, celle qui compte le plus pour lui. Nos âmes sont liées, si est-il vraiment la femme de ma vie, a-t-il fait savoir. Puis il a évoqué avec émotion son père disparu, disant de lui qu'il avait beaucoup de pudeur. Il a également fait une mise au point sur son orientation sexuelle, lui qui aime imiter des femmes sur scène lors de ses spectacles. Je ne me pose tellement pas de questions sur ma sexualité que je n'ai rien besoin de refouler. Je sais que je suis hétéro, je sais que j'aime les femmes, a-t-il précisé. Quand on est noir en France, parfois, si est-il plus difficile dans ce même entretien, Ahmed Silla a donné sa vision du racisme en France après avoir expliqué que son père savait que pour lui, ça allait être plus difficile. Il nous dit ça parce qu'il sait que oui, quand on est noir en France, parfois, si est-il plus difficile. Pas tout le temps. Aujourd'hui, on manque un peu de mesure, a confié l'humoriste. Et de poursuivre, je n'aime pas dire, la France est raciste. On vit ici et mine de rien, même si ça a été difficile pour nos parents, pour moi, pour mes frères et sœurs, pour d'autres, pour tout un tas de personnes qui aujourd'hui sont en France, on a quand même eu cette chance d'être là. Et de prendre l'exemple de sa maman qui, après avoir arrêté l'école en Spelem 2-bas, a pu lancer ses projets en France. Elle n'a pas de diplôme. On lui a permis quand même d'ouvrir deux boutiques. Elle s'est battue pour ça, elle a travaillé, a-t-il précisé. La France me permet aujourd'hui de pouvoir faire mon métier. Lorsque son père est tombé malade, ce dernier a pu compter sur l'aide du Secours Populaire pour lui faire ses courses. Je ne peux pas me permettre de dire, la France est raciste, non, a enchaîné Ahmed Silla face à Audrey Crespo Mara. Et de conclure, il y a une partie de la France qui est raciste, mais la France, elle donne aussi sa chance. La France me permet aujourd'hui de pouvoir faire mon métier. Je ne peux pas me permettre de dire, la France est raciste. Une partie l'est, mais la France, elle donne aussi sa chance. Hashtag Ahmed Silla, ému, parle de ses échanges avec son père disparu, qui l'ont mené vers la réussite. @audrey-bacrespo hashtag 7a8pic. twitter.com/qwjh8getyouf 7a8@7a8, April 16, 2023. À lire aussi: interruption des Césars 2023, Ahmed Silla révèle tout ce qu'il s'est passé pendant la coupure d'antenne suite à l'irruption d'une militante.